La fête du 25 décembre a été célébrée en grande pompe par MCRTV, Panthéon FM, aux messes mixtes de Garnison. Enfants et parents ont effectué le déplacement dans l'objectif de participer à cet événement organisé par le média. Je lui dis que récital, spectacle scénique et remise des cadeaux, telles sont les principales activités qui ont ponctué cet événement festif. J'adorais surtout les jeux et la danse, tout ça, tout ça. Ce que j'aimerais revivre, c'était les jeux. J'ai aimé l'ambiance, c'était cool et j'ai beaucoup aimé parce que quand on partageait les cadeaux, le Père Noël est venu, ça m'a donné envie de pleurer. En fait, ça me rappelle mon enfance quand je croyais d'abord au Père Noël. Des instants de joie appréciés par les parents qui ont accompagné leurs enfants. C'est quand même à merveille. Ça m'a beaucoup intéressé, surtout les jeux que les enfants sont en train de faire. Vraiment, ça m'a beaucoup intéressé. On est contente, les enfants bien s'amuser ici. Donc, on est content, ça passe bien ici. La fête est bien passée ici. Vraiment, je suis content. Je demande à tous les parents de faire autant, d'emmener leurs enfants pour venir fêter Noël avec nous. Je pense que MCRTV a fait vraiment une bonne chose. Je demande qu'ils puissent encore le faire prochainement. Cet événement de MCRTV en partenariat avec le mess mixte de Garnison qui devient une tradition rentre dans le cadre des activités socio-culturelles organisées en période des fêtes de fin d'année.